Stéphanie, elle est du genre à faire ça pendant plusieurs heures sans s'ennuyer. Antoine, lui, c'est 2-3 fois par semaine maximum, mais toujours avec du cœur. Elisabeth, elle sait pas dire non. Au cinéma, au restaurant, chez des amis, rien ne l'arrête. Pierre, ça l'épuise. Damien, ça lui donne de l'énergie. Marion, ça la fait pleurer. Didier, lui, ça a complètement changé sa vie. Martine, elle, elle a le sentiment de ne jamais en faire assez. Et puis c'est sans limite, avec des jeunes, des plus vieux, des personnes malades ou handicapées, des frères, des sœurs, des parents, des amis.